se enfile dans la cuisine de Régine Rossi-Lagorce. Bonjour Régine. Bonjour Marie-Ange et bonjour à tous. C'est le gingembre qui est à l'honneur aujourd'hui. Oui. Et alors à travers le gingembre, je voulais surtout vous parler des épices. Comment il faut les chouchouter pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Parce que toutes les épices craignent le chaud. C'est-à-dire si vous les mettez à cuire, et ben elles vont perdre leur parfum. Et elles ne vont pas vous donner ce que vous attendez. Alors il faut les utiliser soit par macération, dans de l'eau, comme une décoction, une infusion, comme si on se faisait une tisane, ou même des macérations à froid, ou dans du vinaigre, ou dans de l'huile. Et là, c'est le vinaigre, l'huile ou l'eau qui vont prendre, qui vont happer le parfum et les propriétés de l'épice, et qui vont les restituer après. Donc après, vous pourriez faire cuire autant que vous voulez, du moment que ça a été infusé ou que ça a été macéré, ça garderait le goût. Sinon, il y a un autre truc aussi pour garder le goût, c'est la torréfaction. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, donc, je vous prépare des petites carottes en compagnie au gingembre. Alors, ma compagnie, ce sont des fèves fraîches. Alors que j'ai écossé hier, hein, Bernard m'a même pas aidé, figurez-vous, à les écosser parce qu'il n'aime pas ça. Une fois, on va faire bouillir de l'eau. Quand, je dis n'importe quoi, on les met dans de l'eau à mi-hauteur à peu près. Et quand l'eau bout, on éteint et on laisse 2-3 minutes. Et après, on faut enlever cette peau. Parce que cette peau, d'abord, elle est très indigeste. Elle est épaisse, ouais. Et elle est très indigeste. En plus de ça, elle donne une couleur un peu grisâtre qui n'est pas très jolie. Donc après, il suffit d'enlever la peau et puis on a les fèves à l'intérieur qui sont cuites. Attention, cuites mais pas trop. C'est-à-dire que quand elles vont bouillir, là, vous allez les égoutter et les mettre immédiatement dans l'eau froide. Immédiatement. Et les laisser refroidir comme ça. Et après, vous allez donc bien les enlever cette peau qui est trop dure à manger. Donc il nous faut par personne une ou deux carottes qu'on va éplucher et qu'on va couper en tagliatelle avec l'économe, rien de plus facile. Une fois qu'on a fait ça, eh ben on va saler pour qu'elle donne un petit peu, qu'elle rende du jus. Aujourd'hui, l'émission est filmée, donc on voit qu'elles sont brillantes parce que c'est le sel qui fait ressortir leur jus. Et puis, donc, une louche de fèves fraîches, une demi-cuillerée à soupe de gingembre frais râpé. Alors, j'ai acheté du gingembre. Il vient celui-là de la Jamaïque, c'est un des producteurs de gingembre. D'ailleurs, à la Jamaïque, ils font une bière au gingembre qui ne ressemble pas du tout aux bières qu'on trouve ici. C'est vraiment la vraie bière avec le gingembre parce que le gingembre, il a la proportion à être parfumé. Mais pas seulement, il est aussi un petit peu poivré. D'ailleurs, quand il est arrivé au moment des croisades, figurez-vous qu'il a remplacé le poivre. Alors, pour le torréfier, ce gingembre qui est excessivement, juteux, je fais chauffer une poêle à blanc, hein, sans rien mettre dedans, pas de matière grasse. Et hop, je mets mon gingembre dedans. Voilà. Et il faut qu'il s'assèche. Je vais en mettre un peu plus, ça ne fera pas de mal. Hein, il faut qu'il s'assèche. Pas facile à dire, on va faire un autre mot. Une fois qu'il va être sec, on le voit sentir. Ah, puis alors là, il exhale son parfum. Et là, il va garder, parce que comme il a eu un peu chaud, ben, figurez-vous qu'il va se renfrogner un petit peu, j'en connais d'autres. Il va se renfrogner un petit peu et il va sécher et garder son parfum à l'intérieur. Après, je rajoute mes petites fèves. On rajoute les petites fèves. On les fait juste un petit peu chauffer. Elles n'ont pas besoin d'autre chose. Alors, vous pourriez mettre autre chose que des fèves, hein, bien sûr. Mais ce que j'aime dans cette salade, c'est la différence de texture. Il va y avoir les carottes un peu croquantes en tagliatelle, nos fèves qui sont quand même un petit peu cuites et notre gingembre par-dessus. Une fois qu'on l'aura mis dans la poêle, avec les fèves, quoi, une, deux minutes, pas plus, hein, il y a plus. Là, on va rajouter du vinaigre, une cuillère à café de vinaigre. Quand c'est chaud, attention, pas personne, on va mettre après notre huile, une cuillère à café d'huile, pareil, et on va laisser refroidir dans la poêle. Et seulement après, quand on va dresser le plat, dans une assiette, ou si on fait par personne, ou même dans une jolie coupe, et ben c'est seulement à ce moment-là qu'on va mettre les carottes en dessous, et elles vont s'imbiber avec ce qui coule de notre poêle, ce petit jus des fèves et du gingembre. Écoutez, c'est une recette à essayer, je vous assure, parce que c'est excellent. Je vais vous le faire une petite confidence. Moi, je vais remplacer mon vinaigre par du citron parce que j'aime bien aussi. Et c'est à vous de choisir. Surtout, vous ne jetez pas les épluchures de votre gingembre. Et quand vous le râpez, râpez avec la peau parce que ce n'est pas traité. Et surtout parce qu'après, vous pourriez en faire une petite infusion, une boisson estivale. Parce que le mort le vaut bien. Merci Régine. Alors je précise, oui, précise qu'on peut voir donc les images de cette recette sur Facebook ou encore sur le site
francebleu.fr, la cuisine de Régine pour les petits et les grands. Voilà. Merci Régine. Merci, bon week-end à vous et moi je vous dis à demain quand même. À demain. À demain et belle cuisine. On va continuer un petit peu juste pour que vous voyez le dressage. Alors là, c'est chaud encore. C'est parfait. Alors pourquoi on met le, ou le vinaigre ou le citron quand c'est chaud? Ben parce que ça prend mieux les parfums. Alors je mets un petit peu de citron, pas beaucoup. J'avais salé un petit peu mon gingembre. Mes carottes vont être salées. Je ne ressale rien d'autre. On mélange. Un peu d'huile d'olive. C'est tout simple, mais là, le gingembre, c'est comme ça qu'il se révèle. Alors, pour ceux qui n'aimeraient pas le gingembre, parce que c'est un peu poivré, eh ben, vous pourriez mettre une autre épice, mais de toute façon, il faut toujours les travailler de la même façon. Et acheter plutôt des choses fraîches, pas moulues en tout cas, que vous allez pouvoir moudre vous-même à la fin. C'est mieux, hein? C'est bien mieux. Allez, hop! Je suis encombrée, moi, aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais... J'ai fait un peu plus de carottes qu'à l'accoutumée. C'est exprès. Tagliatelle pour faire la différence de texture, mais vous pouvez les râper aussi avec le gros côté de la râpe. C'est à vous de décider, de choisir. Vous pourriez remplacer aussi les carottes par des navets crus. Là, les petits navets nouveaux, c'est fameux. Et je vais mettre mon huile là, maintenant, quand c'est encore chaud. Même si on le sert froid. Allez, c'est parti. Pas d'autres épices. Pas d'autres... Parce que la vedette du plat, c'est le gingembre. Comme on dit ici, ces trois-là, ils se sont bien trouvés. Ça te plaît, Bernard, ça? Très bien. Parfait. Bon, ben... Ça sent bon. Oui, c'est vrai, ça sent bon. À bientôt et belle cuisine à tous.